Alors, hier, j'ai passé une bonne journée. Il a fait beau et puis il y avait juste un peu de vent. Et il y a mon frère qui est venu, Jean-Loup, et puis alors on s'est bien amusé. On a été d'abord dans le jardin faire une partie de ballon avec une espèce de pouf en plastique. Mais alors, un moment, Jean-Loup, il s'est fait mal avec une brouette. Puis après, Jean-Loup, il allait mieux parce que je me suis mis à faire à manger. Et puis il s'est levé, puis il m'a fait une espèce de blague, quoi. Puis après manger, il s'amuse à faire des roues, ça. Il fait toujours ça. Et puis après, j'ai joué un peu de guitare et c'était sympa, là. Il y avait une bonne ambiance. Après, on a regardé un peu la télé, mais Jean-Loup, il était crevé, quoi. Alors, il s'est un peu endormi, puis bon, ça s'est fini comme ça un peu, quoi. Et il l'a montré. Très bien, alors on va conclure avec deux Giuseppetti qu'on avait reçus, beaucoup de cassettes. C'était quand même une bonne journée, quoi. Alors, l'autre jour, il y a mon frère Jean-Loup, il est encore venu me voir. Alors, on savait pas trop quoi faire. On s'embêtait un peu, quoi. Alors, lui, il voulait faire des jeux vidéo. Des jeux vidéo interactifs avec des bonhommes ou des monstres qu'on tire dedans. Alors, moi, je lui ai dit, j'avais pas ça, quoi, c'était pas possible. Alors, il a réfléchi un peu, puis il a eu une idée. Il a dit on va faire des jeux vidéo nous-mêmes, quoi, avec on va prendre ta petite caméra et tout ça. Et alors on s'est filmé chacun notre tour dans le jardin. On faisait semblant d'éviter des projectiles. Et puis en gros plan aussi. Et puis après, on a installé la petite télé et on a pris des œufs. Et puis, il fallait qu'on tire chacun notre tour dans l'autre quand il montrait sa tête. Et puis, on avait la petite caméra, on refilmait quand on jetait les œufs. Comme ça, après, on pouvait regarder pour compter les points en pensant au ralenti. C'était bien comme au tiercé. Après, moi j'ai ramassé, puis j'ai fait à manger. Puis meilleur Jean-Loup, lui, il avait pas faim du tout, parce qu'il était tellement passionné, il continuait, il a mis la télé, puis il dégommait tout le temps, quoi. Et alors là, vous allez vous exploser de couleurs. Il se large. Attention. Bonsoir, merci. Et il est bon aux jeux vidéo, Jean-Loup, hein. Alors, samedi, là, hier, Jean-Louis est encore venu et on savait pas trop quoi faire. Alors, comme bientôt c'est la fête de la musique, moi j'ai dit on pourrait s'entraîner pour faire quelque chose. Et puis, alors il me dit, oui, mais on n'a pas d'instrument. Alors je lui dis, c'est pas grave parce qu'on peut faire un morceau contemporain avec en inventant des sons, quoi. Jean-Loup, ça lui plaisait bien, mais
Lui, il trouvait ça, c'était pas assez speed, quoi. Lui, il est plus électrique comme gars, le rock, tout ça, quoi. Alors, il a fait une expérience, c'était... Fallait oser, quand même, hein. Après, on était fatigués, on allait se coucher, puis on a rêvé qu'un jour on fera un clip super et on passera dans une émission culturelle, hein, et puis ce sera, les gens ils trouveraient ça super. Regardez, c'est vraiment formidable. Alors, l'autre jour, là, Jean-Loup, il est venu chez moi pour voir le match. Campos, ouais. Assurez-vous, hein, Brice. Mais c'est allez, vrai que chaque occasion pour les joueurs, ils en profitent pour aller boire un coup parce qu'il fait vraiment très Zagué côté gauche. Puis, enfin, ça nous a donné envie de faire une petite partie, quoi. Alors, Jean-Loup, il était super bien équipé parce qu'il venait de s'acheter un ensemble. Et puis alors, il a construit des buts avec des outils qui traînaient dans le jardin. Et alors... À un moment, il était tout pensif parce qu'il se demandait s'il venait pas de faire une sculpture ou enfin une œuvre d'art, quoi. Alors il m'a appelé, puis on en a discuté un peu, mais pas trop, parce qu'on avait envie de jouer quand même. Alors on a fait des tirs au but. J'espère cette action rapidement ralentie. Un long ballon sur lequel il y a une superbe détente, enfin très aérienne, du goal volant. Et puis à un moment, sans faire exprès, j'ai envoyé le ballon dans la figure. Alors Jean-Loup, là, il est entré dans une grande furie et puis il m'a un peu agressé. Puis après, il a eu un moment de distraction, alors il se demandait si le ballet tout seul, ça pouvait encore être une œuvre d'art. Alors moi, j'en ai profité pour le calmer un peu, quoi. Et en fin de compte, on s'est quitté, on était très fâchés. Hey, puis quand t'auras le temps, t'enlèveras tes étiquettes. Et alors j'ai l'impression que Jean-Loup, il est pas prêt de revenir. Hein.